Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc un épisode qui fait suite à un épisode qui a bugué encore une fois en fin d'épisode. Apparemment les combats sont très buggés, à partir du moment où on n'est pas en Windows, on est en Windows 7 ou Windows 8, ce qui est mon cas. Donc voilà, on va essayer de faire avec, chers amis, et essayer de nous dépatouiller dans ce putain d'endroit à la con. Alors, où est ce fichu, cette fichue lame de vampire, voilà. Lui, il avait un cran d'arrêt, ça ne m'intéresse en rien. Voilà, on va passer par là. Je remets le double casque, je remets du son dans le casque. Putain, il est passé juste au-dessus de ma gueule, quoi. Ok, Edin. Aïe. T'es sérieux, bonhomme? Putain, il était dur à tuer celui-là. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Alors, je suis en surcharge. Voilà le petit avantage du jeu, chers amis. Seul des avantages, c'est qu'il ne permet pas d'avoir un coup de crosse, si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Sinon, ce que j'aimerais, c'est trouver de la bouffe. De la vraie bouffe. Et je ne sais pas où est-ce qu'on la trouve dans le... boîte en métal. Dans la zone en fait. C'est la ferraille que j'ai lâchée. Mince. Ne sachant pas où est-ce qu'on trouve la bouche, je suis un peu pénalisé. Hop. En fait, j'ai tout simplement aucune idée de où est-ce qu'est mon objectif, hein, au final. C'est vraiment ça. Donc bon. Conserve défoncée, conserve défoncée. Bouteille de lait, je prends ça au cas où qu'ils me disent que ce soit ça. Boîte de conserve, ben non, niveau. Ah, aide. Ok. Ah, c'est peut-être là-bas. Non, il me semblait qu'il y avait d'autres personnages. Enfin, d'autres ennemis. Dont des femmes, et on en a pas vu beaucoup. Je sais pas pourquoi je suis marqué par le fait qu'il y avait une femme dans ce bâtiment. Un frigo, peut-être là-dedans. Stack alimentaire, voilà. Parfait, on a trouvé de quoi manger, on a trouvé de quoi tout faire. De la vodka. Des munitions. Hop. Ouh, des cellules énergétiques à foison. Pistolet laser. Mine à capsule. Cellule énergétique. Ah, je suis désolé, pistolet laser, je vais pas le lâcher ou alors je vais le réparer. Voilà, c'est dit. Pistolet laser. J'ai dit que j'allais pas le lâcher. On est vraiment ric-rac hein, au niveau de notre poids. Bon,
Eh ben, on est bon, normalement, on va pouvoir sortir de cet endroit, chers amis, et nous retourner donc en direction de Mégaton. Hop, et c'est là que nous allons d'ailleurs. Rejoindre Mégaton, c'est parti. Retourner voir Moira. Ça fait plaisir de vous voir. Merci, c'est sympa. Ça fait plaisir d'être bien accueilli aussi. Bon. Bon, 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 bon. Donc on est quand même assez handicapé par notre capacité à réparer, à être en mesure de réparer ou non nos armes. Hop, vous allez voir. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire au prochain niveau. On va tout simplement améliorer les réparations. Ça pourrait être pratique. Oui, voilà. Je vérifie juste qu'on a la bonne armure, oui. On est bon de ce côté-là. Bah écoutez, on est bon, oui, on est bon. Je sais pas, j'ai eu un doute, j'ai dû réfléchir sur quelque chose. Moira. Alors, qu'a donné la récup? J'ai jeté un œil super duper marque, mais il n'y a rien là-bas. Ah bon? What? What? Si, si, j'ai fait les choses comme il faut. Je suis désolé, je respecte-moi. Vous saviez? Alors. D'accord, il n'y a rien là-bas et on peut récupérer tout en fait. Ça n'a pas été facile. Enfin bon, vaut mieux dire un mensonge. Il n'y a rien là-bas. Pour que les gens n'y aillent pas, ou me dire que ça n'a pas été facile et qu'il y en a et qu'ils risquent leur peau pour avoir des vivres. On va être C'est vrai? sympa. Vous avez tout ça? Oh, eh bien, bravo! Oh, racontez-moi. J'ai trouvé des raiders et un robot, pas vraiment l'endroit pour l'endroit idéal. J'ai fait une fiesta avec des raiders et un robot est sorti d'un gâteau. Eh bien, tant que vous n'avez pas eu de problème, tout le monde aime les gâteaux. Enfin, sauf les robots. Moi, j'aime les babas. C'est le béaba. Eh C'est bien, débile. gardez ça. Je viens de faire un bon troc de nourriture de mon côté. Tenez, profitez-en, c'est moi qui récupère. Oh, et prenez ça, c'est un vieil assainisseur alimentaire. Il devrait rendre la plupart des aliments et des boissons Meilleur. meilleurs. D'accord, bah pourquoi pas. 5 bouchées d'iguane ajoutées. Assainisseur alimentaire. Non. La dernière partie, c'est la traite des radiations. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai lu pas mal de choses, mais je n'ai jamais d'exemple vivant. Donc je vous Enfin, rappelle que dans le précédent épisode, vivant assez longtemps. nous avons Alors, pu il subir faudrait un que vous léger me truc des fassiez radiations. irradier pour que j'étudie ses effets. Oh, vous n'en mourrez pas, genre. D'accord, je suis déjà un peu irradié, vérifiez vous-même. C'est vrai? Oh, ça tombe vraiment bien. Ouais, hein. Je pense pouvoir m'occuper de ça, mais avant, il faut que je vous examine. Comment vous vous sentez? Démangeaison, douleur, j'ai vu pire, mais ça reste désagréable. Pourquoi ne buvez pas? Maintenant, je vais prendre quelques notes avant de m'occuper de ces vilaines radiations avec le traitement que j'ai Oh mis là au là. point. D'accord. On s'allonge et on essaie d'avoir des pensées saines. D'accord. Un peu de lait de bramine, quelques aimants et peut-être quelques pensées positives. Oh putain. Eh bien, vous savez quoi? Ça a marché. Mais bon, j'en étais sûre, naturellement. Tenez, emportez quelques produits anti-radiation. Je suis sûre que vous en aurez encore besoin. Bah merci. Ça conclut l'étape du premier chapitre, pas vrai? Oui, vous avez fait de l'excellent travail. Je n'ai plus qu'à ajouter les recettes de cuisine pour la viande de rat et le chapitre est fini. Parfait. Tenez, pour vos services, j'ai mis quelques steam packs de côté. Ils pourront vous servir. Il reste deux chapitres à écrire. Je fais une pause dans les Moi? recherches. Voyons ces marchandises. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Bouteille de lait, bouteille de conserve, paquet de cigarettes, assainisseur alimentaire jamais, Bafout. Ah mince. Putain, fais chier. Alors, on va retourner voir plutôt là-dedans. On va tout prendre, on en a pour 300 capsules. Hop. Voilà. Buff out. Jet. Medix. Manta. Psycho. Radix. 20. Je lui donne le 20 parce que voilà. Au niveau des fringues.
Hop, je lui donne ça. Au niveau des armes, je lui donne rien du tout. Et voilà. Bonne Voilà, voilà. chance. Je suis toujours en surcharge. 214, bah putain. Alors excusez-moi, soit il y a des bruits bizarres dans le jeu, soit ils sont chez moi. Ça va être très très long par contre à ce rythme-là. Il faut vraiment trouver quelque chose à faire. Ben on vire ça et on fait avec. Voilà. Cassez-vous de devant chez moi avec votre flingue, vous me faites peur. Alors, trois, plein de merde, hein. Troc, c'est intéressant, ça ce n'est pas intéressant, ça c'est intéressant, pas intéressant, science intéressant, discours intéressant. De ce côté-là, on est plutôt bon. Arme et air comprimé, je la mets dedans, fusil d'assaut, fusil de chasse, je les garde. Lame du vampire, je la mets, lance-flamme, je l'utiliserai pas. Mine frag, mine capsule. J'utiliserai sans doute à un moment ou à un autre. Pistolet mitrailleur, j'utiliserai sans doute à un moment ou à un autre. Lance-missile, ça peut toujours être utile. 44 magnum à lunettes, j'utiliserai pas. Pèse combien? Il pèse 7 ce machin-là, la vache. Bon, bah déjà ça de moins. Hop! On s'en sort plutôt bien. Marchant sur ses pas, secouer les habitants de Big Town. Ah oui, les habitants de Big Town. Si, juste au passage, chers amis. Hop, on a un protectron hein, bon, là-dedans. Surtout, on a un évier. Hop. Qui donne une quantité de santé assez intéressant, pardon, je vais y arriver. Hop, voilà. Faudra, je pense, à faire du tri aussi à un moment ou à un autre là-dedans. J'aimerais quelque chose d'abord. Ah, toujours pas? Ah, juste pour la blague, chers amis, justement, c'est le cas de le dire. Voilà, c'était la blague du jour, on a tous rigolé. On a peut-être même un petit peu trop rigolé, chers amis, faut le dire, hein. J'ai l'œil sur vous. Oh, c'est bon. Bon. Ils m'en disent pas plus. J'aimerais bien qu'on fasse des quêtes pour les gens du coin. Ressentez sa lueur et soyez divisés. Il n'y aura ni larmes, ni chagrin, Habitant, habitant lambda, habitant lambda. Bon. Oui, c'est la porte vers l'arsenal. Faudra que j'y aille un jour, hein. C'est n'importe qui, ça, c'est ça? Quoi? Voilà, c'est Non, n'importe qui. partez. Ah, elle est pas pour l'anal, c'est dommage. Bon, bah, si elle aime pas ça, elle aime pas ça, c'est son avis. On ne va pas la forcer. Nathan, tu me gonfles. Jéricho. Ah, encore une de ces ordures de terre désolée. Écoutez-moi bien. Vous me plaisez pas. N'approchez pas de moi et tout se... Vous n'avez pas l'air à votre place ici. Quelle est votre Oh, histoire? il n'y a pas grand-chose à raconter. J'ai vécu à l'extérieur. C'est ce qu'ils disent tous. J'étais un vrai salaud à l'époque, mais tout ça, Je pense pas que ça ait tant changé que ça. Vous aviez envisagé de retourner là-bas? quoi? Où ça, là-bas? Où ça? Là-bas?
Dans l'état désolé, vous en avez marre de cette ville. J'ai laissé tout ça derrière moi. C'est le merdier là-bas. Tuer, voler, la violence. Ah, je suis plus ce genre d'homme. Ouais, tuer, voler, ça a l'air marrant, non? Vous savez, ça me manque des fois. On vit librement, vous voyez? Ouais. Allez, je suis qu'un vieux pillard, les civets. Quelle équipe voudrait de moi? Tous ces jeunes n'ont aucun respect. Vous pourriez venir avec moi? Je n'ai rien contre un peu d'aide. Ça n'a rien de personnel. J'ai entendu parler de vous. Le genre béni oui-oui d'abri. Ça m'étonnerait qu'on s'entende. Non. Bon, bah c'est comme tu veux. Hein. Trop élevé. Alors, mon karma est trop élevé, chers amis. Avec toutes les conneries que j'ai faites, il arrive à être trop élevé, général. Bon, ah oui, je suis bon et je suis un pacificateur. Je ne m'en suis pas rendu compte, chers amis. Qu'est-ce qu'il se raconte, Arvin? Je tiens un saloon. Je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais Lucy West, la mignonne... Je l'ai déjà faite. Je ne sais pas... Putain. Moi, je veux une quête, moi. Je veux pas Nathan, par contre, s'il vous plaît. Tirez-vous d'ici. Billy Krill. Ah, il est dedans. Papa m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Putain. Salut. T'es le fils du shérif. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai sauvé la peau. Chanson de l'humeur. Non mais laissez-moi, vous m'avez coincé. Hey, quelles sont les nouvelles? Désolé, qui est Maggie? Ah oui, on avait déjà parlé de ça. Je me suis laissé emporter. Hein. Maggie a 9 ans, et c'est la plus gentille petite fille qui soit. On veille l'un sur l'autre. D'accord, c'est très weird. Mais j'aurais aimé qu'elle soit comme Maggie. Je l'ai recueillie à la mort de ses parents, tués par des raiders, il y a 2 ans. D'accord. T'es vraiment moche. Un petit hameau dans le nord, je me suis arrêté pour faire un peu de récup et tout à... J'ai trouvé Maggie sous un lit, dans la chambre où ses parents avaient été massacrés. D'accord. Et puis on est ensemble. Qu'est-ce qui se raconte en ville? Les gens disent que quelque chose déconne du côté du purificateur d'eau. Ça m'inquiète pas. Ça j'ai déjà fait. Les gens... Bon bah écoute, tu peux rien m'apprendre de plus, on va parler à la gamine. Quoi de neuf? Non, casse-toi. Salut, je suis Maggie. J'habite avec Billy. Billy Krill, vous le connaissez? C'est pas mon... Qu'est-ce qu'il se raconte en ville? Je saurais pas dire, vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais... Mania. Ah ah. Mania, ça ne me dit rien, ça. Intéressant. Mania Stahl, ça irait pourtant assez bien. Ça serait bien ça. Salut. Hop. Sauvegarde rapide. Crac. Vers la maison de Lucy West. Attendez. Peut-être qu'elle va pouvoir parler là. Ah bah elle est pas des masses là en fait. Ok. Elle est même pas du tout là. Bon, bah écoutez. Apparemment, je peux rentrer chez les gens sans trop avoir de problème. Salut. Ouais, besoin de quelque chose? F5, parce que j'ai des baisses de framerate, ce qui m'intrigue un peu. Maison de Monsieur Burke. Faut pas dire Burke, ça va, mais il va mal le prendre. Habitant de Mégaton, Jenny. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Qu'est-ce qui se raconte en ville? Je ne sais pas grand-chose. À vrai dire, je ne quitte quasiment jamais le Lantern. Ouais, d'accord. Ok, est-ce que là-dedans il y a du monde? Habitant. Vous cherchez à faire quoi là? Andy Stahl. Je voulais vous voir. Léo m'a parlé de ce que vous lui avez dit. Vous savez, pour son... Ouais. Je voulais vous remercier. Je sais que je suis parfois cassant, mais mon petit frère compte beaucoup pour moi. Si je peux faire quelque chose pour vous un jour, dites-le moi. D'accord. Qu'est-ce qu'il se raconte en ville? Henri Arty pisse dans son alambic. Cet enfoiré trouve ça drôle. En plus, vous allez vous faire couper la gorge là-bas. Eh, je devrais peut-être accrocher un panneau. Brass Lantern. Plus propre, plus... D'accord, si tu veux. Non, moi je cherche des quêtes, les gars. Je cherche pas à... me faire entuber pour aller chez un tel ou un tel. Oh, je respire mieux depuis que je sais que ce truc est vraiment...
On va aller à l'église, on va bien voir. J'aime pas ça, mais bon, écoutez. C'est comme ça. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue, Maya. Bonjour, mon enfant. Je ne crois pas avoir déjà fait votre rencontre. Je suis Mère Maya, prophétesse d'atome et adepte de la lumière. Ok, ferme-la. Rappelez-vous qu'en tant qu'enfant d'atome... Ferme-la. Qu'est-ce qui se raconte en ville? Je n'aime pas les ragots, mais je sais de où. Imagine. Elle est déjà désamorcée, c'est dommage. Vous voulez quelque chose? Alors j'ai vu qu'il y avait un dernier étage. Ouais, besoin de quelque chose? Enfant d'atome, mais putain t'es bien équipé pour un enfant d'atome. Porte de cabane, ouvrir, qu'est-ce qu'il y a par là? Ouh. Ouh. Spoon, sort. Sort, ça pourrait marquer, marcher. Short, ça marche pas non plus. Bot non plus. C'est pas grave, mon karma va diminuer un petit peu. Years. Years, c'est pas trop mal. Nears, c'est pas trop mal. Putain, c'était quoi? Prods, prods c'est pas ça. Talks. Ah, talks c'est ça, presque. Putain. Mon karma qui diminue à vue d'œil, chers amis. Aha. I got you, babe. Traité sur le noyau de l'atome. Les gens se demandent souvent avec innocence, confesseur, pourquoi vénérez-vous d'une bombe? D'accord, enseignez-leur mes enfants, d'accord, enseignez-leur mes enfants, enseignement. L'arrivée de la division. Je demande souvent si le moment de la deuxième division est venu. Ici, dans le village béni d'atome, nous sommes vraiment prêts pour sa venue. Ai-je bien préparé mon peuple pour l'instant où le grand hôtel se brisera et nous relèvera la gloire? D'accord. Il avait l'intention de faire péter le truc, quoi. Il avait l'intention de faire à nouveau péter le truc. Je m'estime donc heureux d'avoir pu... l'en empêcher. Parfait. Parfait. Bon, bah ça on se débrouille plutôt bien, chers amis. En règle générale, ça va. On sort. Par contre, on n'a toujours pas trouvé d'autres quêtes. Juste pour voir, on était bon et pacificateur. Bon pacificateur, toujours bon. Bon, écoutez, on est quelqu'un de foncièrement bon, ce qui en soi est pas mal. Bon, tu auras pas eu beaucoup d'action dans cet épisode. Maison commune, donc non, ça ne m'intéresse pas. Sauf si, habitants. Ouais, non. Dans la maison commune, il y aura des habitants, mais il n'y aura pas les personnages spéciaux, si je puis dire. J'imagine. C'est donc là-dedans que ces gens vivent. Un homme libre, un homme nouveau. N'y pensez même pas. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Mania, le vieux cinglé qui traîne dans le coin. Si l'on peut faire quelque chose pour vous, dites-le moi. Ne demandez rien à Nathan, il passe sa vie à déblatérer au sujet de l'enclave. Oui, j'ai remarqué, avec un flingue à la main. Alors, où centre-ville a-t-il été opéré? On se met à table et vite. Pinkerton de Rivet City s'est occupé de lui il y a un certain temps. Ça a été un succès. Personne ne peut reconnaître ce robot. J'en suis contente. Tu m'étonnes. Mais gardez ça pour vous. Les chiens sont toujours en train de flairer. Oui, elle a raison, c'est bien dit. C'est bien dit. Qu'est-ce qui se raconte en ville? Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse.
Il passe ses jours et ses nuits à traîner. Ouais, d'accord, il sert à rien, c'est parfait. Bon bah j'ai bien fait de rentrer dans sa maison. Billy Krill, un flingue à la main d'ailleurs. C'est assez violent. Il n'y aura ni larmes, ni chagrin, ni souffrance, car la division nous libère des douleurs et des épreuves de... Professeur Cromwell. Quelles sont les nouvelles? Oula, zut, il avait un truc intéressant. Bien sûr. Maintenant que vous en parlez, j'ai appris que mon... D'accord, oui, bon, ça j'avais remarqué qu'elle avait engagé quelqu'un. Et on va aller voir le doc une dernière fois, chers amis, puis après on va mettre fin à l'épisode, je pense. Hop, doc. Vous avez intérêt à avoir un... Bon, bah, il a rien à me dire de plus. Donc c'est parfait. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo, désolé si elle n'a pas été si remplie d'action que ça. Quoi qu'il en soit, moi les amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à suivre les liens si vous souhaitez acheter le jeu ou simplement précommander Fallout 4, les liens qui sont dans la description de la vidéo, qui sont donc avec mon partenaire gamesplanet.com. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner, à partager les vidéos, à pouce-vériser les vidéos, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis, et je vous en remercie. Quant à moi, je vous dis... Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.